Eh non, vous ne rêvez pas. Vous venez de voir les extraits de Medieval 2. Eh oui, chers amis. Je suis de retour, hein. J'ai même pas eu le temps de... Voilà, même s'il y aurait eu des messages ou pas, j'avais envie de vous faire découvrir là, Medieval 2. Une suite vraiment très 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 intéressante. Hein. Alors, j'avais avancé au fur et à mesure dans cette aventure, comme dans le premier du nom, et j'espère que ça vous plaira. Allez, allons-y. Alors, le premier niveau est le musée. Je vais vous laisser vite faire regarder la scène du début. Au fond d'un musée. Les temps ont bien changé. C'est un nouveau monde, mais il connaît les mêmes tracas. Il faudra trouver une arme et se préparer au combat. Et si vous apercevez mon spectre, placez-vous dans la lumière et appuyez sur la touche action pour m'invoquer. Ben, que dire de plus, hein ? Vous avez tous compris. Après la bataille contre Zarok, la sœur Daniel Fortesque s'est remis dans sa crypte, enfin est retournée chez lui pour un bon long repos. Et vous avez vu qu'en fait un sorcier, je ne dirai pas pour l'instant son nom parce que je le connais quand même, mais je ne vais pas pour l'instant énoncer, a fait revenir sœur Daniel Fortesque aussi. À peu près du même but que Zarok, mais je sais pas si exactement c'est le même sortilège. Et maintenant, tout est dans la panique, les zombies sont revenus, c'est la vraie merde. Un truc qui a été mieux amélioré dans ce jeu, si je m'en souviens, c'est que les membres se décollent au fur et à mesure. Voilà, maintenant comment il veut taper lui? Voilà, là j'ai du musée, cool. Voilà. Alors ceux-là on peut savoir quand ils vont quasi mourir, c'est ça qui est bon. Ils ont l'air d'être un peu plus résistants que ceux des premiers qu'on rencontrait dans la crypte de Dan. Là il n'y a plus rien je crois. Là il y a des trucs qui vont se casser. Ah oui, ceux-là ils sont vraiment chiants. Alors ce que je conseille c'est de tourner autour et de taper. Mamma mia. Ah ouais, quand même, un grand tour dans le tour 2. C'est quand même la chiotte, hein. Voilà. Là, il n'y a pas une fiole, voilà. Je connais à peu près ce que j'avais fait squatter le premier niveau d'une démo. Et c'était vraiment bien. Ah, vous voyez, le changement, c'est qu'on voit les armes à l'avance qu'on va pouvoir obtenir. Ça, on va le voir au fur et à mesure. J'ai trouvé un pistolet. Cool. Ah, qu'est-ce qu'il veut nous dire lui? Non, c'est changer d'arme. On peut en avoir deux maintenant. De deux emplacements d'armes. Voilà. Choisis ton arme, puis utilise les touches directionnelles pour la... Voilà, tais-toi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le gun là. Et ça là. Après... Y a pas des escaliers, non, quelque chose. Bon, là il va juste dire, je vais pas lui parler parce qu'il va juste nous dire qu'on peut descendre à l'aide des échelles. Non, j'ai pas envie d'y aller maintenant. J'ai pas envie d'y aller maintenant, je fais la gueule. Non mais attends. Je fais tout le tour, voilà. Ah, il a osé me faire zapper ça. La fiole que j'ai besoin, merci. Voilà. Maintenant, on va pouvoir prendre la porte grâce à l'aide de la clé de musée que j'ai utilisée. Ah, je suis content de refaire une autre
on va dire un let's play, c'est la suite tant attendue. Maman! Et dégage! Je t'ai demandé de venir, toi, grognasse! Oh la maman! Oh, maman! Ils sont mignons, ces petites bestioles! Là, on va pas être contente. Va faire tomber ma statue! La statue. Bon, je vais arrêter de tout dire ce que je sais à l'avance parce que ça servira à rien sinon pour vous. Bon, je vais pas jouer l'effet de surprise non plus. Y'a rien. J'entends une fontaine de jouvence. Elle est où? Le Saint Graal. Ouais, ben là j'en ai pas besoin pour un début. Ok. Eux sont vraiment, on va dire, chiants, quand même. Ah oui! Alors, petite chose comparée au premier. Je vais vous le dire, je me remplis. Vous voyez, j'ai ma supercharge dès le début. Comme on l'a acquise dans l'ancien, et eh ben on l'a déjà maintenant. C'est ça qui est vraiment excellent. Ils ne la font pas réapprendre. Alors là, c'est... Comment est-ce, je crois, le ravisseur, ou comment... Ou le receleur, je sais plus comment il s'appelle. Merci. Le pauvre à peine apparaît, j'ai fait jet. Je lui dis fermer sa gueule. Ah non, merde, j'ai appuyé sur une touche qu'il fallait pas, maman. Pourquoi il se barre, lui? Ah, t'as peur, hein? Mais viens là, toi. C'est bon, quand t'es sur... Quand t'es sur point de clapser, t'es pas obligé de te barrer, toi. Il est où ton frère? Je te le bouffer, moi. Ah, il n'y avait peut-être pas d'autre. Ah bah si. On se demande ce que c'est. Alors ça, c'est bouché. On va aller commencer par... On va commencer par là-bas. Voilà. Allez. Tu crois faire face déjà? C'est trop naze. Les fontaines de jouvence, c'est pas ce qui manque pour l'instant. Voilà. Ah. C'est magnifique tout ça. Ah, le boulet de canon. Ah, c'est trop bon, le boulet de canon. Et bien là, grognasse. Le calice, j'irai le chercher après. De toute façon, je crois qu'il y a display room. Dégage. Ah, il donne quand même un gros pourcentage de calice, cochon. Là, il n'y a rien. On va aller chercher donc le calice, qui va pouvoir être super utile. Et après... Bon, là, le fantôme y est, mais c'est pour nous dire que le calice nous permet d'avoir de nouvelles armes. Mais... Et non, on ne va plus au rôle des héros, vous allez voir où on verra, où on ira. Juste après avoir eu le calice. On va insérer le boulet de canon. Ah oui, maintenant il fait comme ça. Les nouilles. Wouh.
Fireball. Ouais, je joue sur émulateur, donc c'est pas facile de faire R plus carré ou je sais plus quoi pour changer d'arme. Mais bon, ça, on le verra autant. Ça, je le ferai autant voulu. Je modifierai les touches. Encore un bouclier. Ah, voilà notre cher Zarok, celui que j'ai vaincu. Bien que connu pour être un monstre, le vil Zarok n'était qu'un pleutre. La légende ne retient de lui que sa défaite face au noble chevalier Sir Danfortest en 1386. Et là, je sais pas à quelle époque ça se passe. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Mais c'est pas grave, on s'en fout, allez. Je crois que c'est en 1900, donc... un truc comme ça, 1900, après j'ai pas envie de dire des bêtises, je regarderai bien. La clé du musée, ou la clé de je sais pas quoi. Est-ce qu'ils sont fait chier pour le nom? Ah, la clé du dinosaure. Dinosaure! It's a dinosaure. Ah, je sais pas comment on prend déjà les escaliers à l'envers. Mais c'est pas grave. Bon. Ça, c'est qui? Ah, c'est maman qui vient nous faire chier. Là, la Cronias. Ah oui, voilà. Je vais tous vous fumer. Voilà. Regardez, pas besoin de se faire chier. Merci. Là, vous voyez, je suis dans l'autre salle. Je vais juste chercher la thune et je me casse. Les monstres qui sont à l'intérieur sont extrêmement, on va dire, un petit peu chiants quand même. Mais il y a pire. Alors là, c'est là d'où je viens. je m'en rappelle plus. Ah, mais j'ai rien dit. Les carcasses du tyrannosaure. De tyrannosaure. Non, je ne vais pas vous laisser maintenant. Très bien, Dan. Mais il faut sans doute sauvegarder. Ah, sans doute, oui. T'es marrant, toi. Ah, il faut sans doute, hein. Mais bon, au pire, tu crèves, hein, c'est pas grave. Voilà, une création de sauvegarde. Comme j'en avais pas encore fait sur émulateur, donc. Voilà. Bien joué, Dan. Ne sois pas trop impressionné par ce monstre. Cherche juste son point faible. Il faut parfois savoir prendre de la hauteur, mon ami. Ensuite, je te conduirai à mon patron. Ok. En fait, chaque phrase qu'il dit, ça peut mener vraiment à la faiblesse du monstre en lui-même. Alors ça, non, on s'en fout. Donc je vais me préparer à l'avance au combat. Voilà. Le reste, on le fera au moment venu. Alors, attention. Attention, Dan. Je vais vous laisser la regarder. Oh, les chocottes. Alors, ce boss est vraiment, mais vraiment, super simple. Hein. Y a rien à dire. Je n'en vois pas aucune difficulté face à ce monstre. Bon, là, j'ai fait un peu le con. J'ai pas lancé ma supercharge. Voici le point faible en fait du monstre. C'est ça. Voilà.
Bon, en fait, elle nous jarte parce qu'on a marre que je lui ai pété la gueule. Oh, mais dégage, toi. Je suis pas méchant. Je suis un gentil. Je suis ton pire ennemi. Sors ta gueule, Fortesque. Bon, en fait, vous répétez l'opération jusqu'à temps que... En fait, pour savoir quand elle va montrer son point faible, elle va rugir. Enfin, faire son petit cri. Voilà, là, c'est qu'on va pouvoir monter. Et voilà, dégage. Bye bye. Non, 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 ne croyez pas. Il n'est pas vaincu. C'est juste sa deuxième forme. Voilà. Et là, vous avez compris ce que je vais devoir faire. Je vais devoir lui péter sa gueule. Attends, Rambo, deux secondes. Que je monte. Ça va. Non, pas besoin de munitions, mon gros. Non. Dégage, je t'aime pas. Je t'ai dit, je t'aime pas. Là, je t'aime. Oh, t'as un souci? T'as un saucisse? Un souci? Ah, mon fesses. Non, mais me brûle pas. Je suis pas méchant, je t'ai déjà dit. Attention, oula. Voilà, en fait, vous attendez, elle va cracher des flammes au fur et à mesure, cracher des flammes. Et quand elle apparaît sans cracher des flammes, tirez-lui directement sur son point faible. Là, non. Là. Et KO. Elle nous donne un objet rare, une potion. Oh, yeah. Merci, bitch. Alors, voilà. On prend la potion. La fin de niveau est au-dessus de la truc de jouvence. Donc, on va juste faire quelques petites emplettes. Ah, c'est content, hein. Voilà. On a fait ça. Et je crois que j'ai besoin de me remplir des vies. Et encore, je crois que je me suis pas fait toucher. Enfin, pas à la fin. On va dire, il est pas vraiment dur comme boss, hein. Non, je vais pas être touché. Et en plus, j'ai droit à une potion. Bon début. Alors, on va aller voir notre patron, futur patron à nous. Oh, merci Winston, tu l'as finalement trouvé. Enchanté de vous rencontrer, Fortesque. Vous devez être quelque peu dérouté et vous demander ce qu'il se trame, non? Laissez-moi me présenter. Professeur Hamilton Kieft, magicien, inventeur et maître occultisme à votre service. Vous devez vous interroger sur votre présence parmi nous, non? Eh bien, il semblerait que quelqu'un ait finalement mis la main sur le légendaire grimoire de Zarok. Zarok? Oh non! Je dois bien avouer que depuis plusieurs siècles, nombreux sont ceux qui, comme moi, ont recherché ce manuscrit. Tout ce pouvoir, mon Dieu. Enfin, l'année passée, quelques fragments de ce grimoire ont réapparu. Et voici où nous en sommes. Nous devons tout d'abord estimer l'ampleur des dégâts, non? Pour ma part, je suis coincé dans ce damné trou à rats, et je suis impuissant. Mettons d'abord cet endroit en bon ordre avant de nous lancer dans notre petite guérilla. Winston s'est-il expliqué au sujet de la magie? Bien, bien. C'est donc à vous de jouer. Choisissez l'endroit dans lequel vous désirez vous rendre à l'aide de ce projecteur. Oh, j'allais oublier. Si vous ramenez un calice de vos expéditions, vous trouverez une nouvelle arme sur cette table. Voilà, c'est à peu près expliqué. Bon, il y a les petites mains qui gigotent, mais bon. Une canne, monseigneur. Le chevalier moderne ne sort plus sans elle. Ah, ah oui, ça c'est clair. Ah, je suis content. Merci.
Pour sauvegarder, oui, il faut sélectionner le prochain niveau. Donc, ce que je vais faire, c'est que, on va se laisser ici, chers amis. J'espère que le premier épisode de ce Let's Play de Medieval vous aura plu. Et vous inquiétez pas, il y aura de la suite. Bon, merci, et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.